Ce n'est pas un désastre, mais dans sa quête de doublé Tour de France Vuelta, c'est un coup d'arrêt. Le capital confiance de Chris Froome a été touché dès la première grosse difficulté de cette 70e Vuelta. Pourtant, les favoris ont longtemps laissé en terre la hache de guerre dans la montée de la Capilera. Mais dans les rampes à 14% de l'avant-dernier kilomètre, le leader de l'équipe Sky n'a pas résisté à l'accélération de Fabio Aru. Une aubaine pour tous les autres cadors qui glanent une trentaine de secondes sur le Britannique. C'est toujours bon à prendre, surtout quand on sait que Froome avait assommé le Tour dès la première étape de montagne. Les arrivées pour punchers, c'est bien. Voir les favoris dévoiler leur jeu sur la première étape de montagne, c'est encore mieux. Une arrivée au sommet de la Capilera, col de première catégorie au final abrupte, tel était le dessert de cette 7e étape. En l'attendant, certains étaient bien décidés à briller en partant de loin. 10 km après le baisser de drapeau à Jódar, 5 coureurs décident de mettre le nez à la fenêtre. Le français Jérôme Cousin de l'équipe Europcar, l'espagnol Ahmed Chtouka, Ilia Kochevoy de la Lamprey, Bert-Jan Lindeman de la Lotto Jumbo et Carlos Quintero du Team Colombia composent cette échappée. Aventureux par 39 degrés, me direz-vous? Certes, mais le bagne va vite se transformer en paradis face à la résignation de l'équipe Orica GreenEdge. L'écurie du maillot rouge n'a pas vocation à faire rouler le peloton tous les jours. 5, 10, 13 minutes d'avance à mi-course. On devrait donc assister à une étape à deux lectures. Le succès à l'avant, la bataille pour la victoire finale dans le peloton. Une formation va néanmoins essayer de changer la donne. La Movistar de Valverde et Quintana prend le poids de la course sur les épaules. Le train espagnol porte ses fruits. L'écart fond à moins de 5 minutes au pied de l'ascension finale. Un col de 18 km qui se découpe en deux séquences. Une première partie assez roulante et 8 derniers kilomètres à plus de 7% de moyenne. C'est dans ces forts pourcentages que l'on va commencer à s'écharper à l'avant. Après plusieurs banderies de Churuca, Kochevoy surprend ses compères mais il rejoint à la pédale par Cousin puis Lindeman. Fin stratège, le Hollandais va parfaitement gérer son effort pour déposer ses adversaires dans le final. Vainqueur du Tour de l'Inde l'an dernier, il s'offre à 26 ans la plus belle victoire de sa carrière. C'est vraiment inattendu pour moi, vous savez, ça finissait en montée avec beaucoup de gars costauds, Churuca était très fort, donc je suis vraiment content d'avoir gagné. C'est la victoire la plus importante de votre carrière? Oui, je pense, c'est vraiment spécial. Il n'y a donc pas que l'Alpe d'Huez qui sourit aux coureurs du plat pays. Heureusement qu'il n'y avait pas un kilomètre de plus pour Bert-Jan Lindeman, tant le retour d'Aru était impressionnant. Cinquième du jour, Esteban Chavez s'est bien arnaché à son maillot rouge. Pas de changement dans le top 5. Chris Froome apparaît désormais en 12e position. On continue de lécher la Sierra Nevada, mais en pente descendante samedi. Dernier kilomètre en Andalousie pour le peloton qui rallie Murcie. Attention malgré tout à la double ascension du col de la Crête du Coq. Tout un programme qui pourrait bien faire perdre quelques plumes aux sprinteurs.